Quelqu'un s'appelle Michel. Est-ce qu'il y a des Michel parmi nous ici ce soir? Vous êtes beaucoup trop jeune pour vous appeler Michel. Alors maman Michel à moi, pour vous situer un petit peu la scène, il se trouve dans un petit bureau. Il est assis sur un fauteuil bleu foncé avec un dos en mousse. Devant lui, il y a un bureau blanc et bleu avec dessus un écran d'ordinateur, une feuille de papier et un stylo. Au-dessus de lui, il y a un néon blanc dégueulasse et à sa gauche, il y a un store gris clair genre argenté, vous voyez, qui donne sur une fenêtre, qui donne elle-même sur un couloir. Vous voyez l'ambiance bucolique de cette scène. Et en face de lui, derrière le bureau blanc et bleu, se trouve une conseillère Pôle emploi. Cette chanson s'appelle « Michel à Pôle emploi ». Du travail, il faudra faire quelques petits efforts. Les chemises à carreaux et la moustache, on en parle. Et qu'est-ce que vous voudriez d'un petit peu de sport et d'un petit régime, Michel? Et Michel, votre accent bizarre, là, dont on ne sait pas trop d'où il vient et qu'on n'a pas trop envie de savoir. Vous y ferez attention pour l'entretien d'embauche. Hein. Le travail des seniors, c'est déjà pas facile. Alors mettez-y un petit peu du vôtre. Mon petit Michel. Voilà que depuis quelques mois, Michel, il vient plus à Pôle emploi. Apparemment, c'est sa cousine qui l'a retrouvée dans la cuisine. Sur la table, Michel a laissé une lettre. À l'attention de Pôle emploi et du président, ceci est une invitation à mon enterrement.